Moi choisi adorer Seigneur. Est-ce que nous d'accord? Moi choisi adorer Seigneur. Parce qu'adorer Seigneur, c'est l'âme jeune bénédiction. Pour quelques minutes, dit moi choisi adorer Seigneur. Levez-vous, dit moi choisi adorer Seigneur. Pour qui ça? Parce qu'adorer Seigneur, c'est là bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Côté mon cap servi bon Dieu. Moi choisi pour adorer Seigneur. C'est ça, oui. Moi choisi adorer Seigneur. Pour qui ça? Parce qu'adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Mais sacrifié moun, moun qui choisi pour adorer Seigneur, y a béni dans tout ça y a fait. Parce qu'adorer Seigneur, c'est l'âme joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. C'est vrai, oui. Moun qui choisi pour adorer Seigneur, y a béni dans tout ça y a fait. Parce que adorer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi adorer Seigneur. Moi choisi pour me louer. Moi choisi pour me louer Seigneur. Alléluia. Moi choisi pour me louer Seigneur. Pour qui ça? Parce que louer, c'est l'âme jeune bénédiction. Moi choisi pour me louer Seigneur. Moun qui choisi, moun qui choisi pour louer Seigneur. Y'a béni non tout ça y'a fait. Parce que louer, parce que louer Seigneur, c'est l'âme bénédiction. Moi choisi pour me louer Seigneur. Moun qui choisi, moun qui choisi pour parce que louer Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi pour louer Seigneur. Moi choisi pour me servir. Moi choisi pour me servir Seigneur. Quand est-ce que vous avez servi mon Dieu? Moi choisi pour me servir Seigneur. Parce que servir. Parce que servir Seigneur, c'est la joie, bénédiction. Moi choisi pour me servir Seigneur. Moi choisi. Moi choisi pour me servir Seigneur. C'est ça, oui. Moi choisi pour me servir Seigneur. Parce que servir Seigneur, c'est la bénédiction. Moi choisi pour me servir Seigneur. Mais ça arrive à monde qui choisit. Monde qui choisit pour servir Seigneur. Y a béni. Y a béni dans tout ça y a fait. Parce que servir. Parce que servir Seigneur. C'est la bénédiction. Moi choisi pour me servir Seigneur. Oh, moi choisi. Moi choisi pour me servir Seigneur. Oh, moi choisi. Moi choisi pour me servir Seigneur. Moi choisi pour me servir. Moi choisi pour me servir Seigneur. Non mauvais temps. Moi choisi pour me servir Seigneur. Ni non bon temps. Choisi pour me servir Seigneur. Non mauvais temps yo. Choisi pour me servir Seigneur. Ni non bon temps yo. Choisi pour me servir Seigneur. Oh avec tout cœur. Choisi pour me servir Seigneur. Oh avec tout nom moi. Choisi pour me servir Seigneur. Oh avec l'esprit moi. Choisi pour me servir Seigneur. Encore c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Nous étudions avec vous un thème, un sujet extrêmement important. C'est comment vivre par la foi. Ou simplement, la foi pour vivre. C'est un sujet de la Bible d'une importance capitale, sine qua non, si j'en peux dire, parce qu'il nous faut vivre par la foi. Moins content de ce que nous avons venu bon côté ou pour nous parler avec concernant la vie du juste par la foi. Encore, nous tirons de façon précédente
dans Romains 1, comment que Paul t'a dit, nous, il n'y a pas honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour celui qui croit, du juif premièrement, ensuite du grec, et puis il continue, il dit, il n'y a réellement pas honte de l'évangile. Ça, l'important pour me souligner le pour. Comme il est écrit, le juif vivra par sa foi. Autre chose que nous disons, ouais, c'est encore de Paul dans Galates, chapitre 2, verset 20. Côté, il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et que nous connaissons l'histoire, je suis crucifié avec Christ, etc. Mais je vis en Christ par la foi. Essentiellement, c'est ça que l'âme dit. C'est la foi en Christ qui permet que je vive, quoi que je suis dans la chair. Finalement, nous terrons en Colosse, et ceci est extrêmement important, que même gens que nous te recevons Jésus, c'est comme ça pour nous marcher dans lui. Non, nous recevons Christ par la foi, c'est ça. Donc, nous justifier par la foi, nous sauver par la foi, encore, c'est comme ça pour nous marcher dans lui. Et au même qui t'a suivi avec nous, nous venons tomber sous doctrine. Doctrine de la foi. Pas oublier, encore une fois, ça que nous avons dit, est important pour vous. Dans Hébreux, chapitre 6, nous avons 6 doctrines fondamentales de Christ. Première doctrine, c'est la repentance réellement des œuvres mortes. Deuxièmement, nous avons, c'est la foi en Dieu ou envers Dieu. Et troisièmement, nous avons doctrine des baptêmes. Quatrièmement, nous avons l'imposition des mains. Cinquièmement, nous avons doctrine de la résurrection des morts. Et finalement, la doctrine du jugement éternel. Sujet, non, c'est pas doctrine ça. Mais nous citer Écriture ça pour nous expliquer que une doctrine fondamentale de Christ, c'est la foi. Et Jésus a expliqué lui-même que oui, il y a une doctrine. Et c'est là que nous t'arrêtons dans premièrement étude. Nous avons continué et nous allons relire un petit peu l'écriture pour nous faire parole là marcher plus. Mais avant de faire ça aujourd'hui, hein, dans le moment ça, nous avons qu'on prier. La plupart de monde ont prié par routine, nous pas prier par routine. La réalité c'est que oui, nous besoin prier. Ou pas cap comprendre, moi-même tout pas cap parler de façon raisonnable et de façon positive sans que nous pas gagne l'aide de Dieu. Sans que nous pas gagne l'Esprit Saint cap aider nous. Donc c'est peut-être ça nous prier. Seigneur grand Dieu, répétez après moi au nom de Jésus, nous venons devant, nous connaissons. Et que sans vous, nous ne pouvons pas faire rien. Christ, c'est ça qu'on dit, nous. Esprit Saint de Dieu, nous te remercions de ce qu'on a là pour enseigner nous, pour conduire nous dans toute la vérité. Ou là, pour glorifier Jésus dans tout ça que nous avons fait, nous avons dit. Aidez-nous, Saint-Esprit, au nom de Jésus, afin que Christ soit glorifié et que le Père, le Créateur de tout l'univers, capable de joindre gloire à ça. En Christ Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Encore. Nous t'appelons à partir de verset ça. Concernant Jésus. Alors, fois ça m'appelait à partir de verset 15. Les Juifs s'étonnaient, disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? En parlant de Jésus. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Moi, tu vois, écoute ça pour m'expliquer, oui, que Jésus a une doctrine. Et il y a une doctrine, c'est concernant la foi en Dieu. Jésus continue, puis il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, en d'autres termes, la volonté de Dieu, il connaîtra. Si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef.
Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Ce sont des mots extrêmement forts. On nous simplement dit quelques paroles sous ça. Jésus n'a pas inventé la foi. La foi existait depuis avant Jésus. Nous tous connaissons depuis sous Abel la foi manifestée. Nous tous connaissons ça. Et nous tous connaissons que Abel lui-même personnellement, l'été obéit à bon Dieu dit, et c'est comme ça l'été fait bon Dieu plaisir. Encore une fois, jusqu'à présent, Dieu son Dieu, qui réellement remet la foi. L'apôtre Paul, certains m'ont pensé que c'est lui-même dans Hébreux, chapitre 11, nous tous connaissons. Et verset ça yo, nous pral fait un petit temps sous yo, parce que nous nan étude. Encore une fois, si que ou t'oublié, ça que nous ap fait là, nous parler le prédication. Nous reler l'étude. Donc, c'est peut-être ça nous chita, m'a mando pour poser et pour prendre plume, cahier, prendre note. Parce que nous prenons lentement afin que compréhension capable de maximiser ou encore maximaliser. Alors, moi, ça y est, pas capable de dire trop, mais pour capable de maximum, nous comprenons? Je ne peux pas minimiser, mais je peux maximiser. Vous comprenez? Ok. Non, c'est peut-être ça, nous avons demandé pour prêter attention avec un pied d'intérêt. Encore. Dieu, mais ça qu'écrit. Or, la foi est une ferme assurance, verset 1, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ferme assurance, des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais cependant, mais ça a besoin qu'on retenu pour le moment. Nous dans verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas que là, gain combinaison, gain complot, gain conspiration, gain difficulté, gain mésinterprétation. Non, pas gain ça là. Son bagage qui est clair. Sans la foi, ou pas foutu, fait bon Dieu plaisir. C'est simple. Dieu est esprit. Comme esprit, il est invisible. C'est ça. Comme esprit, ou pas cap manger Dieu physiquement. Ou pas cap voir Dieu avec Dieu naturel. Donc, il faut que qu'on façon que nous communiquer. Il faut qu'on façon que lui-même lui communiquer avec nous. Lui communiquer avec nous par sa parole. Nous communiquer avec lui par la foi dans sa parole. Est-ce qu'on est? Non, c'est peut-être ça, en nous lit verset yo pour qu'on comprenne. La foi est une ferme assurance des choses espérées. Remarquez. Bon Dieu dit un bagage. Bagage que bon Dieu dit, hein, lui créer espérance non même. Bon Dieu dit, si qu'on fait ceci, m'a fait cela. Ça que le dire, l'a fait cela, l'y créer dans même espérance. Ou gagner une certaine idée, ou gagner une certaine espoir,
que ça, bon Dieu, dit un l'appel. Est-ce quoi même? Même dans les qu'on comprenne ça, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Non, mon assurance, t'en habitué à veiller. Ok? Et lorsqu'on a parlé de assurance, ça signifie que moun est certain. L'on a parlé de assurance, moun n'a conviction. Moun n'a persuasion. Moi gen détermination ça, moi gagne. Est-ce qu'on dit bien? Remarquez, c'est pas bon Dieu gen assurance, c'est ou même. Moun ki croit a gen assurance. Est-ce qu'on même? Un autre mot que n'a pu utiliser, nous utilisons le très souvent, c'est mon confiance. Moi gen confiance. Moi gen confiance. Non, pas voulez faire trop étude profonde, mais cependant, remarquez, mot la foi, c'est mot fidèle, l'ivine gen fidélité la donne. C'est peut-être ça, on a parlé de confiance, c'est con avec fiance, radical là, c'est F-I, même j'ai avec fée, en payol, c'est ça que vous dit, la fée. Non, ou même qui a comprendre ou réaliser ce qui suit. La foi, c'est confiance. Nous-mêmes, nous disons confiance dans mon Dieu. Vous voyez? Mais il faut nous comprendre. Comment on fait confiance dans quoi que ce soit? C'est parce que vous tendez un bagage. C'est parce que vous donnez un bagage. Encore. Checkez avec. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bagay sa ou pral important pour nous parce que c'est là que nous commençons à entrer dans principio. Et principio important pour nous comprendre. Bible dit nous, sans la foi, il était possible de plaire à Dieu. En d'autres termes, si que ou pas gagné la foi, nous commençons à comprendre. Ou pas gagné assurance, ou pas gagné confiance. Eh bien, ou pas qu'à faire mon Dieu plaisir. Lorsque mon Dieu dit on bagaille, ou pas qu'à dire qu'on a confiance dans mon Dieu, sous pas quoi ça le dit là. Ma répété. De très souvent, c'est ça qui est, on pas qu'être chrétien. Bon Dieu dit ou tel bagaille, ou même ou a cherché on l'autre façon pour qu'à gagner. Détermination, conviction, assurance, confiance. Non. Bon Dieu dit tel bagage, fais-le confiance. Bon Dieu dit à Abraham, ou à bon postérité. Mais ça fait 25 ans. Abraham rivé 100 ans. Rachel rivé 99. Excusez-moi, c'est pas Rachel, mais c'est plutôt Sarah rivé 99. Qui s'arrivait? Eh bien, il n'y a pas aucun rapport avec ça que je me sens. Il n'y a pas aucun rapport avec ça que je m'apprends. Il y a un rapport avec ça, mon Dieu dit. Il est important pour comprendre ça parce que, puis devant, nous prenons étudier avec quand on série de héros faits. De très souvent, nous confondons la foi avec souhait. Nous confondons la foi avec ça que nous cabrelons espérance humaine. Je confonds la foi avec ça que nous cabrelons futilité réellement, imbécilité réellement. Je confonds la foi avec présomption. Je confonds la foi avec même ce que nous cabrelons sottise. Bon, bagay. Et vous-même, vous comprenez. C'est peut-être ça dans ces derniers temps. Je vais étudier ça avant, mais je vais simplement faire un petit souligner avant. Dans ces derniers temps, je ne vais pas être faux prophète. Pour qui ça est faux? C'est parce que ça a dit un passeur de Dieu. Je vais tout ceci, cela. Il y a un élément qui dit je vais quelque coucou là. Je vais prier avec nous. Si que vous mettez la foi en pratique. Si le coronavirus a vint pour attaquer ou, la rentrer dans le cocoïe. C'est ça que la foi? Non, frère, c'est pas ça qui la foi.
Mais si Jésus dit nous, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Oui, moi, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. À partir de ce moment, c'est l'autre affaire. Ou pas besoin qu'il y ait. Nous prenons développer le principe ça. Et ou pral comprendre, ou pral mettre en pratique et ou après résultat. Et nous avons un témoignage pour vous. Mais c'est beaucoup le témoignage là. On continue. Nous voyons que dans Hébreu, hein, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ou pas qu'à faire mon Dieu plaisir sans la foi. Pour qui ça encore? Dieu est esprit. Ou pas ouais. Mais c'est ça le dire ou à mettre en application. Comportement, action, doit marcher avec ça que ou même ou gen conviction la donne. Yon nan bagay que m'a tout de suite dit. Entendez-moi? En pile moun, y a dit yo, ba la di mi les offres. Gen en pile moun y a dit yo, ba y offrande spéciale. Mais est-ce que c'est bon Dieu qui dit? Ça c'est un. Deuxièmement, est-ce que moun nan kwè nan ça que la fait? C'est bon Dieu qui dit le fait? Est-ce que mon connaît tout bon que c'est bon Dieu? Alors, même tout simplement, Jolie, mes principes là. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est verset 6 dans Hébreu, chapitre 6. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Non, ou pas qu'à manier bon Dieu. Ou pas qu'à observer bon Dieu, ou même qu'à sentir bon Dieu. Bon, tout de suite, d'où ça? Moun kap di mwen senti m guéri. Faites attention à moussa yo. Ok? Non. Gon différence entre senti ou guéri et quoi ou guéri. On nous a différence ça. Sou senti ou guéri, ou te gon la on va cap fort mal ou te gon bagay qui t'a trissé douleur la kao mais sous sent ou guéri ou pas gen douleur encore donc à partir de ce jour on va gen la foi là non ou a besoin quoi qu'on pas gen douleur encore bon m'explique au même qui là mais attention sous quoi ou guéri ou gen doit gagner douleur toujours d'ailleurs mais qu'on comprenne ça ça veut dire la foi c'est assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ou pour courir guérison. Mais ou agir comme si qu'on guérit. On aurait été même si on était paralysé dans tout le corps. Mais puisqu'on a fait un petit mouvement, un petit doigt là, fais-le. Fais-le. Hein? Ou qu'on a fait un mouvement, un petit doigt là, fais-le. La foi pas respecter ça que moun senti. C'est assurance dans ça que bon Dieu dit. Dame ça qui te gagne perte de sang, tout le monde connaît, elle t'en parler de Jésus, et puis il dit, faut checker avec Jésus, l'ap man yen panoradli, depuis le man yen panoradli, l'ap guéri. Et qui s'arrivait? Exactement. Et Jésus dit, ta foi t'a guéri. Mais pas oublier, il te gagne assurance dans le cœur, il agit conformément. On va développer ça avec plus de précision concernant plusieurs zones. Guérison, prospérité, c'est ça. Chasser démons et le reste. Alors, nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Non seulement que pour quoi, pour qu'on approche de Dieu, mais encore, mais sa Bible en dit. Or, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'on connaît que des récompenses pour la foi? Est-ce qu'on connaît à gagner rémunération? Pas simplement conviction de cœur, non? Action. C'est peut-être ça, ou même qu'a pris Bible avec moi.
nous continuons à de l'Esprit Saint, bonne lumière. Ce n'est pas il est rémunérateur simplement de ceux qui croient, non? Mais il continue à dire de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, il y a une action qui est pour faire. Non, Jésus, bah, une série d'explications. On nous dit demandez, c'est ça, on a dit. Vous recevrez. Il dit frappez, on vous ouvrira. Cherchez, et on va prendre. Ce sont des actions que vous avez. Et je vais parler de ça en plus de détails lorsque nous allons étudier l'expression de la foi ou encore les œuvres de la foi. C'est pour un sujet. Ou même avec moi, nous prenons réellement content d'elle. Ou elle est déjà à bord bagaille pour espérer qu'elle vienne. Donc, fais la foi marcher pour qu'elle tende bâtisse. Encore une fois, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que mon nom croit que mon Dieu est le rémunérateur. Ou remarquez un pile mon négligé bâtisse. C'est pas simplement. Hein? Eh bien, m'espérer ça, m'souhaiter ça, non, eh bien, ça lié. C'est pour agir conformément. Bon exemple que ma baou wap comprenne, et wap réalise le. Gon moun ki di, pasteur, moi kwe que bon Dieu apra le ban moi ou machine. Bon, bon Dieu ka baye machine, li ka di moun la baye machine. Et pour moi, des gens qui sont faits pour ça, eh bien, m'abtonne. Ou est-ce que ça, il n'y a pas de chita. C'est pas ça pour le faire. Posez cette question. Est-ce qu'on a une licence? Ah, beaucoup de licence, non? Eh bien, pour un bagage pour faire. Sous quoi machine a venu? Elle a une licence. Est-ce qu'on conduit? Oh, beaucoup de conduit, non? Eh bien, elle a appris à conduire. Lorsqu'on apprend à conduire, ou elle a une licence, qui soit fait? Œuvre de la foi. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Nous prenons ça plus de détails. Une façon pour nous faire la foi de marcher. Pas oublier, comme vous avez reçu Jésus, marchez dans lui-même. Ou recevoir Jésus, confession, parole, bouche. Oui, c'est ça qui est écrit. Pas oublier, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, que Jésus est Seigneur. Non, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, qu'on bagaille pour faire. Nous prenons ça en détail, même déjà pas moi, pour commencer à comprendre comment que la foi sont la foi pour exercer. Non seulement que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, mais il y a un qui est important que nous prenons le Dieu. Je dis à conseil de monde n'ont pas compris la foi, yo. Yo dit comme ça que, pas gen la foi encore, pas gen langue encore, pas gen miracle encore, nous comme nous ça, oui. Yo dit comme ça que, pas gen guérison encore. Comme quoi, ils ont bon Dieu, ben nous docteur, et pas li. Bon Dieu, ben nous, et ça que nous te cabrele, entre guillemets, un staff professionnel de médecins, etc. Machine ici, machine cela, la science ici, la science sur l'autre bord. Et puis qui s'accrivait? Je dis, nous avons un virus qu'on a jusqu'à présent les hommes pour comprendre. En d'autres termes, mettez ça bien en tête. Bon Dieu lui-même, ce n'est pas simplement qu'on a quelqu'un qui a guéri. Mais la foi, la foi, la foi, n'a aimé comme clair avant. Nous pas contre médecin, nous pas contre infirmière, nous pas contre corps médical. Mais en nous clair, qu'on voulait, qu'on pas voulait. D'ailleurs, mais qu'on comprenne, la médecine pas remplacer la foi. La médecine pas remplacer Dieu qui a guéri. Nous tous connaissons que, ou même avec moi, t'es gondam qui t'a souffri de perte de sang pendant 12 ans. Il fait une petite toute comme lui dans mes docteurs. Eh bien. Lorsqu'on rencontre Jésus, il y a une guérison. Encore plus, nous connaissons un monde qui a marché avec l'apôtre Paul, Yoreleli, Luc, il était médecin. Luc, c'est ton médecin qui croit. Pas rien qui dit, l'homme, nous sommes scientifiques, alors nous utilisons ça,
que le pas doit croire dans bon Dieu. Au contraire, moun qui scientiste tout bon, il découvrit que ça l'a suivre, ça l'a étudier, ça l'a pour elle là, c'est bon bail qui fait comme ça, faut que mon créateur à ça que l'a observé. Ça a son autre sujet. Mais n'a pas conclu pour moi. Gen yon seri de moun ki pral di ou, mon cher, mais même, c'est nan l'amour que m kwe. Frèm, sèm, fais attention à soi, petit. Ok? Gen yon trois vertus chrétiennes extrêmement importantes. Yon c'est la foi, l'autre là c'est expérience, l'autre là c'est amour. Bam gen te étudié avec vous. Mais n'a simplement faut comprendre ce qui suit. La foi, c'est base là. Comment pour bagaille marcher, c'est par la foi. Motivation, non, c'est amour. Mais faut qu'on comprenne, espérance là, les fait partie de tous les deux. Puis devant, m'bral bay détail. Mais m'a simplement dit ce qui suit. Qui sac la foi? C'est l'assurance des choses qu'on espère. Donc, dans la foi, gagner espérance. Mais dans l'amour, tout, gagner espérance. Gon série de bagailles ou motivé pour faire. En d'autres termes, ou ayon moun qui gagne besoin ou motivé pour faire un bagaille pour lui. Now, qui s'acrivait? Sous-motiser pour faire un bagage, c'est qu'on croit que ça qu'on fait a utile, a nécessaire. Non, nous tous connaissons, ou habitués avec le système ça, c'est le pardon qui libère. Mais tout le monde connaît le pardon. C'est une manifestation d'amour. Et à partir de ce moment, où qu'on est leur pardonné maintenant, là, bon, et pour vous, et pour lui. Donc, ce qui signifie quoi? Vous commencez à comprendre? Motivation, espérance là-dedans. Bien content de ce que vous-même vous motivez encore plus pour suivre l'étude ça avec nous. Remarquez que ces études n'ont fait. Nous devons faire sous forme de prédication. Et puis nous dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, et puis le fini. Mais on ne peut pas comprendre comment ça va marcher. Et qu'on sait le raisonnement n'a pas fait. Lorsque nous faisons sous forme d'exhortation pure ou de prédication simple. Moi, je suis content qu'on entende. Et moi, je suis content qu'on suive. Dans le troisième mouvement, et nous prenons la donne prochainement, nous prenons réellement entrer dans le principe de la foi. Nous prenons comment que l'image, qui mécanique, non? Et comment que nous avons acquéri la foi, comment pour nous opérer la donne, et comment pour nous gagner un résultat la donne. Moi, content de ce côté-là. Et puis, que Dieu bénisse nous, et puis, mettez la foi en Christ Jésus, qui est l'auteur et le finisseur de notre foi. Grâce, mon Dieu, à vous.